Je voudrais fouiller la mer pendant quelques secondes. Je voudrais secouer la terre pour trouver ces personnes. Je voudrais trouver ces personnes pour ne pas dire ces enfoirés. Je voudrais écrire mes consonnes sur un papier froissé. Je voudrais penser à leurs actes, penser au cappuccino, aux péripéties de la BAC qui penait devant ce resto, à l'ambassade, à l'état-major et à toute l'Afrique, aux fusillades, à ces morts d'ici ou d'Amérique. Mais il paraît que je ne suis pas seul, toi aussi tu es en colère. Il paraît que ta rage a atteint le seuil et que tu es prêt à la guerre. L'amertume t'empêche de respirer parce que maintenant tu soupires. Il paraît que tu es prêt à te venger, même s'il faut commettre le pire. Mais si comme moi tu es en colère à dire des méchancetés, si tu es prête à la guerre, à mourir ou à te venger, si tu es prête à la gâchette, à tuer ou à donner la mort, ça me fait mal de l'admettre. Mais tout comme moi tu as tort. Tu as tort de te lever le matin et de pleurer jusqu'au soir. Tu as tort de vivre de chagrin pour mourir de désespoir. Tu as tort d'avoir peur, même étant dans ta chambre. Tu as tort d'avoir un cœur qui ne bat plus mais qui tremble. Tu as tort de vouloir un café et de refuser de le payer. Tu as tort de vouloir te cacher pour travailler ou pour prier. Parce que l'objectif des attaques, c'est justement de te faire peur. C'est te donner une crise cardiaque à chaque fois que tu sors de ta demeure. L'objectif des attentats, c'est de semer la détresse. Tuer deux personnes en attendant que la peur emporte le reste. L'objectif des explosions, c'est de faire de vous des peureux. C'est de vous donner une bonne raison pour ne plus vivre heureux. Un attentat n'est pas réussi quand une bombe explose, non, ni quand il y a perte de vie, ce n'est pas ça la vraie chose. Un attentat n'est réussi que quand les survivants ont peur, que quand les hommes poussent des cris et que les femmes tremblent de frayeur. Parce que tout ce que vous pouvez faire à quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, ce n'est même pas lui faire la guerre, mais vivre avec un sourire. S'il n'a pas peur de mourir, vous, n'ayez pas peur de vivre. Parce que s'ils n'ont pas peur de la mort, c'est parce qu'ils ont peur de la vie. Alors, effrayez-les. Simplement en vivant, en buvant un café, du lait, au premier jour et au suivant. Mariez-vous chez monsieur le maire, faites à votre mère des jumeaux, fêtez vos anniversaires et réservez-moi un gâteau. Construisez des maisons, faites des projets économiques, écoutez des chansons, partez au concert artistique, en repartant sur Kwame. Buvez-y un cappuccino, organisez vos soirées et réservez-moi un micro. Parce que demain je sortirai et j'irai à Istanbul. Je boirai quelque chose de frais et tant pis si je me saoule. Ça ne sera pas pour le sexe, mais j'irai sur Kwame moi. Et là j'écrirai un texte dans lequel je dirai: soyez effrayés, terroristes, parce que dans 100 millions d'années, tant que la planète
juste, vivront des Africains, des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Burkinabés. Soyez effrayés, terroristes, parce que dans 100 millions d'années, tant que la planète résiste, vivra la liberté.